Salut tout le monde, aujourd'hui là je suis plutôt énervé. Alors pourquoi? Bah vous verrez ça après. Alors donc là je vous montre une petite partie, donc je me suis dit tiens, une partie modée, c'est marrant, voilà. On va vidéofier, voilà, donc je sais pas comment on dit, on va je sais pas, bon, on va filmer, voilà, tout simplement. On va filmer la partie. Voilà, je me suis dit, bon, petite partie modée, c'est toujours marrant. Hein, c'est toujours drôle. T'es toujours là, hop, voilà, t'as ta petite partie modée, tu t'éclates un peu. Bon, voilà, c'est marrant, 2 secondes. Voilà, c'est toujours sympathique. Voilà, donc c'est lui le modeur, là, apparemment. Parce que j'arrive pas à le tuer. donc du coup, je me suis dit, on va bien se marrer dans cette partie, tout ça. Wow, ça va être génial. On va pouvoir se faire un peu de kill, enfin, on va se marrer tout simplement. Donc du coup, bah, je m'amuse, tout ça. Je suis là, tranquille. On est entre, on va dire, modeurs, parce que il nous a un peu modé notre saut, tout ça. On s'éclate. Donc jusqu'ici, on est bien, quoi. On est bien. Moi, je suis bien. Y a pas de souci. Là, je commence à être heureux, surtout que. Ça faisait plus d'une heure que je cherchais des parties, que j'en ai trouvé aucune parce que je sais pas pourquoi, mais même pas une seule personne, quoi que ce soit, je trouvais rien du tout. Dans n'importe quel mode, rien du tout. Donc bah, j'étais content. Puis en plus je tombe sur un modeur, je suis encore plus content, quoi. Je me dis tiens, ah, c'est marrant, voilà. Je tombe sur un modeur, je suis bien, quoi. Parce que là, ce soir j'avais besoin de décompresser, j'avais fait 10 zombies là depuis tout à l'heure, ça m'avait saoulé. Ouais, je suis allé sur le multi tranquille, bon j'ai mis du temps à trouver une partie. Je trouve une partie, première partie, je tombe sur quelque chose de modé. Bon, c'est pas mal, je tombe sur quelque chose sur modé, c'est plutôt pas mal. Seulement, au début c'était cool, mais il y a un moment ça m'a énervé. Et heureusement que j'avais pas le micro pour enregistrer à ce moment-là, parce que je crois que vos oreilles, ils existaient plus, quoi. Je crois que vos oreilles... Même le diable là-haut, là, il l'aurait entendu direct. Il aurait fait oula, il se passe quoi là? Il y a une bombe? Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est lui. Ah non, c'est pas lui, le modeur, c'est pas possible. Mais non, c'était Puno là, je sais pas quoi. Là. Enfin bon, j'en sais rien. Mais c'est bizarre, c'est bien. Ouais, en tout cas, le mec, c'est un gros fils de pute, quoi. Clairement, c'est un bon gros fils de pute, quoi. C'est un énorme connard de merde, tout simplement. Hein, on peut pas faire mieux là. Là, je crois que le mec il a gâché mon jeu, mais jusqu'à la fin de ma vie en fait. C'est même pas irrémédiable le truc. C'est le truc. Ça aurait été sur un autre jeu. Le mec, je leur ai dit, mais putain, mais t'es trop sympa mon gars. Bah ouais, allez. Voilà. Rien que de voir ça, ça me. Je lui dis, mais il se passe quoi? Se passe quoi? Et puis là, je regarde la putain de sa race. Là, il y a tous mes succès qui se débloquent. Ce fils de pute, il m'a débloqué tous mes succès. Putain, mais laisse tomber quoi? Laisse tomber la putain de ce fils de pute là. J'avais envie de le retrouver, de savoir qui c'était. Du coup, je voulais voir qui c'est qui mourrait pas, tout ça. Du coup, j'ai essayé de killer des gens, je l'ai pas trouvé. Et puis au final, bah, je suis allé voir qui c'est qui était le dernier prestige, tout ça. Et puis je l'ai vu, le mec, je l'ai vu. Non! Ah ouais, donc on entend le retour! Bah écoutez bien, écoutez bien. Ah. On m'entend pas trop bien, mais. Tu sens bien qu'il y a quelque chose derrière, tu vois? You are. Ouais, on m'entend pas vraiment, mais. Il y a quand même des. Des petits raisonnements, tout ça, putain, laisse tomber. Je crois que. Putain. Oh putain. Pussy. Ah, laisse tomber, ça m'a énervé là, putain, j'en peux plus. Oh. Heureusement que j'ai encore de la voix, hein, parce que je sais même pas comment je vais faire. Hein. Putain. Non, mais le mec, je sais pas quoi, putain, t'es là, t'es tranquille, t'es dans ton jeu. T'as ton jeu, tu dis ce jeu-là, je vais bien me le faire, je vais faire mes petits succès. Au calme, tranquille, je vais être bien. Le mec, du jour au lendemain, en une seconde, le mec, en une seconde, il te nique tout ton jeu. Non mais génial! Bah tu sais quoi, bah maintenant, bah ça va,
quand j'ai quitté la partie, ça m'a remis à mon niveau, ça m'a remis mes défis comme il fallait. Mais malgré tout, mes succès sont niqués. À la limite, je peux continuer mes séries sur les défis, tout ça. Ça y a pas de souci. Voilà, c'est vrai que ça me fait plaisir. Bon, je peux faire mes défis quand même. Je trouve ça assez marrant, j'aime bien faire ça. Ça me détend. Voilà. Mais là, mes succès, j'aime bien aussi les faire quand même. J'aime bien avoir quand même un accomplissement derrière qui est assez sympathique. Qui, voilà, qui me plaît bien. Bah, le gars, il m'a tout niqué. Le mec, il m'a tout niqué. Hein, clairement, là, je peux plus. Je peux plus revenir en arrière. Donc moi, je me suis dit, bon là, le mec, il m'a bien énervé. Donc du coup, à la fin de la partie, qu'est-ce que j'ai fait? Très simple, je me suis dit, je vais contacter Triarch. Bah oui, que faire de plus? Hein, contre un gros connard comme ça, que faire de plus? Tu contactes Triarch. Donc j'y connais pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, je vais aller sur Call of Duty BlackOps3.com. Mais là, je me suis dit, mais non, mais pourquoi pas aller sur Twitter? Du coup, je suis allé sur Twitter. Et là, je leur ai envoyé un tweet. Seulement, Twitter, c'est vraiment de la merde parce que tu mets genre vraiment une ou deux phrases, puis t'as fini ton tweet. Du coup, j'ai dû mettre deux tweets. Donc, j'espère qu'ils verront ça. Le problème, c'est que j'ai écrit en français. Du coup, je pense qu'ils en auront rien à foutre. Mais malgré tout, j'ai placé le mot modeur dedans. Donc, peut-être qu'ils s'intéresseront. J'aurais dit que j'étais sur Xbox 360, le pseudo du mec, donc qui est Pudo. J'aurais dit ouais, tout ce qu'il fallait. Et voilà, du coup. Du coup, au moins, j'espère que déjà, je me ferai pas bannir par ce fils de pute. Hein, parce que si à cause de lui, je me fais bannir parce que comme ça, du jour au lendemain, j'ai eu tous mes succès. Je suis désolé, mais là, je crois que je peux pas. Là, c'est pas possible. Je peux même pas imaginer un truc comme ça. Là, c'est pas possible. Là, non. Hein, donc, si je me fais bannir à cause de ce gros connard, bon, c'est pas de ma faute. Je vois même pas pourquoi je me ferais bannir. C'est pas de ma faute, c'est pas moi. Hein, j'ai pas demandé ça. Jamais j'aurais demandé un truc comme ça. Le seul truc sur lequel j'ai fait, c'est World at War. Sur World at War, je me dis putain, est-ce tombé et passé 10 prestiges, c'est impossible. Je lui demandais un petit modeur comme ça, dès que j'en trouve un dans une partie. Je lui demande, il me passe prestige 10 et c'est bon. Mais pas sur ce jeu. Ce jeu, je veux me le réserver. C'est mon petit jeu à moi, mon petit délire, malgré qu'il est tout pourri, tout bidon, parce qu'il est sur Xbox 360. Malgré tout, voilà, je voulais quand même un minimum avoir de succès. J'aime bien faire mes succès, j'aime bien être tranquille, posé. Devant mes petits succès, faire mes petits défis, c'est toujours bien, quoi. C'est toujours génial. Le mec, il m'a tout niqué comme ça en 2 secondes. Là, je sais pas, quoi. Ça, il m'a saoulé, le mec. Le mec, j'aurais en face de moi, franchement, là, je sais pas. Je sais vraiment pas. Il m'énerve. Le mec, il m'énerve. Je crois que j'ai jamais été autant énervé que ça, quoi. J'ai jamais ressenti ça, en fait, de ma life. Jamais. Moi, je suis jamais énervé. Je suis tranquille. Je suis posé. Mais là. Là, même quand je m'énerve devant un jeu, je suis pas autant énervé que ça, c'est pas possible. C'est là, il m'a énervé, mais un point, là, j'ai essayé de le chercher, voir qui c'était, introuvable, je sais pas du tout. Comment tu veux savoir, c'est pas possible. Voilà. À part trouver quelqu'un d'invincible, mais malheureusement, j'ai trouvé personne. Donc, du coup, voilà, là, il m'a tout niqué. Donc, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je l'ai strike, hein, tout simplement. Enfin, je sais pas comment on dit exactement, mais enfin, j'ai dénoncé, quoi, J'ai niqué, j'ai traité de booster, j'ai traité de tricheur, et puis voilà. Et ouais, mais clairement, le mec, il m'a saoulé. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais attends, tu l'as traité de tricheur, ou je sais pas quoi, tout ça, tu l'as strike et tout, mais tu sais même pas si c'est vraiment lui. Alors, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en revenant dans... Donc là on est prestige max là. Clairement on est prestige max. Là déjà là ça m'a. J'avais pas remarqué au début, je m'en battais les couilles en fait hein, de ça. Moi j'avais surtout remarqué mes succès. Mais quand j'ai vu qu'au final eh ben on était prestige, le dernier prestige, eh ben franchement là ça m'a encore plus énervé. Voilà, mais bon le truc c'est que je suis revenu au niveau 18 normal. Voilà quand je suis revenu là. Je suis revenu niveau 18. Du coup, ça allait. Je me suis dit, ça va. Donc là, je l'ai pas vu. Hein. Vous voyez, il y a plus d'eau là. Enfin, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a plus d'eau qui est niveau. Niveau max. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, bah, moi, à la recherche de ce mec, qu'est-ce que j'ai fait? Très simple. Je suis allé dans. La liste des récents joueurs. Donc au début je peinais à la trouver, mais c'est vrai que c'est dans
dans social qu'il faut aller. Donc du coup je suis allé dans social. Là j'ai cherché quelqu'un qui était prestige max. Et là qu'est-ce que je vois pas? Pudo. Direct. J'ai essayé de chercher un peu plus, voir un peu plus loin, si jamais il y avait quoi. Rien du tout. Donc déjà je m'en bats les couilles, même si je me suis trompé que c'est pas lui, en vrai le modeur, le mec il a pas être dernier prestige comme ça. Voilà, donc clairement le mec j'ai direct j'ai strike, hein. J'ai signalé. J'ai signalé direct, mode triche, mode booster. Le maximum quoi, j'allais pas mettre langage choquant parce que c'était pas vrai, je comprends rien ce qu'il dit, enfin s'il avait un micro mais je pense pas. Voilà, le mec direct quoi. Direct j'ai strike parce que je sais pas quoi, c'est pas normal. Là j'étais bien, j'étais tranquille et là tous mes succès débloqués d'un coup. Là ça va pas, ça va pas, clairement ça va pas. Putain de voix de merde. Attends. Et donc du coup clairement là ça va pas. Du coup ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même eu peur pour mes défis, hein. Ah bah oui. Je me dis bon allez bon. Là les succès c'est trop tard malin. Mais est-ce que les défis ils sont au max? S'ils sont au max, ça fait chier. Parce qu'ils ont été au max hein, pendant pas longtemps. Pour qu'il y ait tout qui se débloque. Ils ont été au max pendant pas longtemps. Mais ça va, ils se sont remis quand même. Ils se sont remis stable comme ils étaient, tout simplement. Voilà, donc moi. Personnellement, là je crois que mon jeu il est un peu niqué quoi. Ah, au niveau des succès, là il est vraiment il est bien niqué quoi. Voilà. Bon, bah là on commence à arriver à la fin de la vidéo parce que j'ai plus grand chose à dire en fait, hein. Mais faites gaffe, franchement, si vous voulez pas finir comme moi, faites gaffe dès que vous êtes dans une partie modée. Sortez direct. Même pas vous chercher à comprendre. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est modé et tout. On va s'éclater un peu. Non. Non, franchement, non. Vaut mieux pas. Hein, trop de risques. Moi, je savais pas qu'il y avait un risque comme ça. Je me suis dit. Enfin, j'ai pas pensé à ça. Pas du tout. Moi, j'étais là. J'aime bien quand on est des modeurs. Ça fait toujours plaisir. Des fois, tu voles. Tu fais des petits délires comme ça. Ça va. Mais là. Non, là, je suis pas d'accord. Là, le mec, il m'a énervé. Là, clairement, le mec, c'est pas possible. Là. Donc, franchement, ça me ferait chier que ça vous arrive. Donc, du coup, je suis là, je vous préviens. Surtout, ne restez pas dans une partie modée. Enfin, bien sûr, je dis ça. Mais ceci concerne que les PS3, les PS4 et les Xbox 360. Hein, les PS4 et Xbox One. Vous inquiétez pas, vous avez, enfin, pour ceux qui savent pas, hein, vous avez vraiment les consoles les plus sécurisées qui existent sur le marché pour l'instant. Même le PC à côté, il est pas vraiment sécurisé parce que voilà, on a encore des failles. Mais au niveau de la PS4 et Xbox One, là pour l'instant, on n'a pas encore de jailbreak, pas encore de craqué quoi que ce soit. Donc du coup, il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a même pas du tout de mode. Enfin, je ne pense pas qu'il y en ait un, quoi. Donc voilà. Donc normalement, il n'y a pas de mode sur PS4 et Xbox One. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je pense que ceux qui sont sur ces consoles, ça va un minimum quand même que il y a pas tout ça. Mais on sait jamais. Je préfère dire comme ça au moins. Vous n'avez pas besoin de vous faire souci si vous êtes sur Next Gen. Par contre, faites attention pour ceux qui sont sur Xbox 360 et PS3. Faut vraiment faire attention parce que là, voilà quoi. Alors, je tiens juste à dire que au moment où ça m'est arrivé, il était 1h du matin. Donc là, en fait, là, il y a 30 minutes. Voilà, il y a 30 minutes, tout simplement. Direct, je suis venu là, j'ai fait ma petite vidéo. Hop là, hop, je suis là, je commente. Même pas, je fais de coupure, quoi que ce soit. Je suis là en direct, quoi. Donc là, comme vous voyez, hein, je vous montre les défis. Vous voyez qu'ils sont vraiment comme ils étaient avant. Un petit peu de rassuration. Hein, je suis un peu rassuré. Mais bon, ça me fait chier quand même. Ah, mes succès là, clairement, ça me fait chier. C'était pas des gros succès, ça va, j'avais fait les succès principaux, on va dire. Malgré tout, ça m'aurait donné envie quand même de les faire. Enfin, j'avais bien envie, j'étais chaud là. Là, c'était du Black Ops 3, je m'étais réservé mon mental sur Black Ops 3 pour faire tous ces défis. Et l'enculé m'a tout niqué en.
en 2 secondes, quoi, tout simplement, hein. Voilà, donc franchement, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. J'espère ça à personne, tout simplement. Je souhaite ça à personne parce que c'est horrible, tout simplement. Bon, après, il y en a, ils sont là, ils en ont rien à foutre du succès. Qu'est-ce qu'on a à foutre du succès? Bon, on s'éclate, tout simplement. Bah, tant mieux pour vous. Voilà, tant mieux pour vous. Mais moi, j'aime bien faire mes petits succès. Et ça me fait chier, hein. Si vous, ça vous fait pas chier, bah tant mieux. Voilà. Il y a sûrement d'autres choses qui vous fait chier dans la vie. Ça, après, c'est voilà, c'est vos choix, c'est vos soucis, c'est vos, comment dire, c'est votre façon de faire, votre façon de réfléchir, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Voilà. C'est chacun a sa propre façon de penser, de voir et tout ça. Et on peut pas vraiment choisir. Donc voilà. Donc du coup, eh ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que vous ferez attention, hein. J'espère que vous ferez vraiment attention, que vous ferez gaffe quand il y a des parties comme ça, que vous quitterez tout de suite, même pas vous rester. Hein, le moindre petit truc suspect, direct, vous posez pas de questions, vous quittez. Hein, ça, c'est mieux quand même. Après, si vous avez envie d'avoir tous vos succès débloqués, bah restez dans la game, au cas où. Mais vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Parce que moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en retour derrière. Je sais pas s'il y a des risques de bannissement. Je sais pas s'il y a des risques de je sais pas quoi. Mais franchement, faites gaffe quand même. Faites gaffe. On n'est jamais trop sûr. Je connais pas ces gros connards de Microsoft. Je les connais pas. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Apparemment, ils ont l'air de bannir des fois un peu pour rien. J'ai des petits retours comme ça. Bon. Après, on sait pas. Voilà. Donc, dans le doute, autant faire gaffe quand même. Voilà. Donc du coup, je voulais vraiment vous prévenir parce que ça m'a énervé. Donc du coup, j'aimerais pas que ça vous arrive quand même. Ça serait vraiment con. Donc faites gaffe, hein, pour ceux qui sont sur Xbox 360 et PS3. PS3, c'était sûr que ça existait. Mais sur Xbox 360, j'en avais pas vraiment trouvé. J'ai essayé de chercher pour mon petit zombie en local, comme ça, je m'éclate un peu. En clou USB, tu vois, je mets un mode en clou USB, tout ça, je m'éclate un peu en local. J'ai pas vraiment trouvé. Bon, j'avais testé aussi à la sortie du jeu, forcément. Mais bon, voilà, je savais pas que ça a été sur Xbox 360, donc j'aurais jamais cru que le mec pouvait carrément me mettre tous mes succès d'un coup comme ça, en faisant tous mes défis d'un coup, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Bah, sur ce, moi, je vous dis bonne soirée, ou bonne matinée, ou bon après-midi, ou bonne journée, ou que ce que vous voulez. Et du coup, bah, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Ciao. L'amélioration du câble HS, l'amélioration au chrono, l'amélioration au feu d'artifice, l'amélioration fracas du tonnerre, l'amélioration infective. Donc tout ça, ça se passe au niveau du pack-a-punch. Vas-y, toi.